Bonjour Marion, deuxième numéro des coups de cœur des bibliothécaires de la médiathèque de Langeac. Je te laisse présenter les livres que vous avez choisis, toi et toute ton équipe. Ok, bonjour à tous, donc bienvenue à ce deuxième rendez-vous. Donc pour commencer, donc ça c'est un choix d'Amélie. Donc c'est un album jeunesse qui s'appelle Pandora, et qui est de Victoria Turnbull et qui est édité aux éditions Les Arènes. Donc Amélie a beaucoup apprécié cet album tendre, poétique, avec des illustrations toutes douces et une belle lecture pleine d'espoir. Donc ça, c'est un album qui peut être lu aux enfants à partir de 3 ans. Voilà, je vous montre quelques pages rapidement. Voilà, mais c'est vrai que ce sont des illustrations extrêmement douces. Il y a pas beaucoup de texte, donc c'est vrai que même des petits peuvent apprécier cette lecture. Voilà l'histoire d'un petit renard et d'un petit hirondelle. Voilà, donc premier coup de cœur d'Amélie. Deuxième coup de cœur, donc là c'est Christelle. Et là elle nous propose, donc ça c'est une bande dessinée jeunesse. Ça s'appelle Cœur Collège, de Becca et Maya. C'est édité aux éditions Dupuis. Et là, Christelle a beaucoup aimé cet ouvrage, où il est question d'amour, d'amitié. Et un point important, ne pas se faire influencer au risque de perdre ce qui nous est cher. Voilà, donc pareil, je vais vous montrer quelques dessins. Donc ça, cette bande dessinée, elle est proposée aux jeunes à partir de 11 ans. Voilà, ça parle beaucoup de puberté, voilà, de relations entre jeunes, etc. Mais pareil, des dessins très, très sympas, très clairs. Voilà, Cœur Collège. Donc là, c'est une série, c'est le tome 2, mais voilà, on a le tome 1 aussi en rayon. Voilà. Et ensuite, donc là c'est mon coup de cœur, c'est un album également jeunesse qui peut être lu également à partir de 3 ans. Ça s'appelle Les choses qui s'en vont, de Béatrice Almania, et c'est aux éditions Helium. Voilà, alors moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que vous verrez, c'est un système de calque. Ça parle du temps qui passe en fait. Et à chaque fois, le calque propose une autre version quoi, de l'illustration. Voilà, hop, les yeux fermés, les yeux ouverts. Donc voilà, un livre pareil, très accessible à partir de 3 ans, avec peu de texte aussi, des belles illustrations. Et voilà, sur le thème du temps qui passe. Ce livre, il est également, en fait, il est en rayon à l'espace facile à lire. Vous verrez, là, c'est cette petite vignette bleue. C'est un nouveau service qu'on a mis en place depuis février ou mars de cette année. Et voilà, donc ça permet, c'est une sélection d'ouvrages qui sont vraiment faits pour les personnes qui recommencent la lecture ou qui lisent peu, mais qui osent pas. Voilà, donc ça, c'est des ouvrages faits qui sont adaptés à tous ces publics-là, et ce livre-là en fait partie. Mais après, voilà, il peut être lu par tout le monde, bien sûr. Voilà, donc les 3 coups de cœur du mois de juin, maintenant. Voilà. Merci Marion. On rappelle que si les personnes ont des coups de cœur, ne pas hésiter à les noter et à les partager. C'est ça. Merci pour ce deuxième numéro, et à bientôt pour le troisième. À bientôt, merci.